Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Alors déjà on va remercier une fille 2343, merci beaucoup pour ta salutation. Je me suis dit bon je vais lancer la vidéo comme ça, ce sera apprécié directement dans la vidéo. C'est compliqué, on est lundi, c'est férié, même en début d'après-midi je lag beaucoup donc j'espère que j'arriverai quand même à faire une vidéo, ce serait cool. Et merci également à Churro6 pour la salutation, merci beaucoup à toi, on va attendre juste que le look... Ah bon, en plus très beau look, merci beaucoup à toi, je te fais un très très gros bisou également, merci beaucoup. Et on va pouvoir commencer la vidéo, alors aujourd'hui on se retrouve dans un jour de vos cadeaux. Ça fait un petit moment que j'avais pas ouvert de cadeaux et j'ai envie d'ouvrir des cadeaux. Alors là pour le thème d'aujourd'hui, vous devez sûrement vous dire, mais quel est le thème d'aujourd'hui? Et bien tout simplement, ça va être d'ouvrir les cadeaux des personnes qui ont les yeux verts. Voilà, les yeux verts. Alors pourquoi les yeux verts? Bon, c'est ma couleur préférée d'yeux. Hein, j'aimerais bien avoir les yeux verts, je n'ai pas les yeux verts. Du coup, on va ouvrir. Alors c'est un petit peu dommage, c'est vrai que pour les personnes qui ferment les yeux, parce que du coup, on ne sait pas de quelle couleur sont les yeux des personnes aux yeux fermés. Mais c'est pas grave, parce que ce matin, on avait déjà fait une vidéo où j'ouvrais les cadeaux des personnes aux yeux fermés. Et du coup, bah, c'est parti, on va aller chercher les personnes aux yeux verts. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si j'ai zappé un cadeau d'une personne aux yeux verts. Des fois, c'est vrai que c'est compliqué à déterminer la couleur. Par exemple, là, on pourrait dire que c'est un sort de vert kaki, vert foncé. Bon, on va ouvrir dans le doute. Bon, là, c'est du bleu. Mais on va encore me dire que je suis daltonienne. On va encore me dire que je suis daltonienne, c'est pas possible. J'arriverai jamais à ouvrir, à faire une vidéo. J'ouvre vos cadeaux sans oublier des cadeaux. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quel moment de la vidéo j'ai raté un cadeau. Parce que c'est vrai que des fois, vous me l'aviez dit, je suis allée vérifier. Et c'est vrai que certaines personnes hein, confondaient aussi certaines couleurs. Donc, je ne suis pas la seule. Voilà, mais ça peut arriver, hein, ça peut arriver. C'est vrai, peut-être que j'aurais me penché sur la question. Effectivement, peut-être que je suis daltonienne. Enfin, du moins, j'espère pas. Quoique, hein, ça peut être. Ça peut. Ça, c'est pas non plus dramatique. En tout cas, merci à tout le monde pour les cadeaux. Comme d'habitude, merci beaucoup à vous. Et je suis toujours autant désolée de ne pas pouvoir ouvrir tous les cadeaux. Alors là, ça, c'est compliqué, hein. C'est compliqué l'ouverture de cadeaux alors que je viens de lancer le compte, hein. Ah, VIP, la bohème. La bohème. La bohème. Non, 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 non. Bon, c'est à chaque fois que je vois la bohème, je suis obligée de chanter cette musique. Voilà, je dirais que c'est plus des yeux noirs. Là, les yeux fermés. Ouais, c'est compliqué des fois de pouvoir déterminer la couleur des yeux. Attendez, parce que... Oh! Attendez, on revient en arrière parce que vous allez me dire que je suis daltonienne. On revient, attendez, parce que j'ai vu quelque chose. Et du coup, merci à toi, hashtag Loulou. Donc, bah, n'hésitez pas voilà, à les ajouter ou quoi si vous voyez cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup à toi. Je te fais un très très gros bisou. Merci beaucoup pour la salutation. Merci énormément, c'est super gentil. Alors là, je dirais que c'est un sort de vert kaki, vert gris. Bon, dans le doute, on ouvre. Je préfère l'ouvrir dans le doute que de passer à côté et derrière de me faire incendier dans les commentaires. À chaque fois, je suis en stress. Vous me croyez pas, mais à chaque fois que je mets une vidéo, j'ouvre vos cadeaux. Je suis en stress de savoir combien de personnes vont m'incendier dans les commentaires en me disant « Mais Quinzel, t'as pas vu le cadeau à ce moment-là » Moi, je suis « Oh mince, effectivement, je l'ai pas vu. » Bon, en tout cas, c'est très bizarre le look-là avec les trucs léopards, ça va pas du tout. Alors là, avec les lunettes, on va pas ouvrir parce que dans le doute, ça peut être du noir, ça peut être du gris, on sait pas trop. Avec le reflet des lunettes, c'est compliqué à déterminer. Alors là, ça c'est un sort de vert, je dirais quand même. Pourquoi ouvrir? Par contre, des fois, j'ai l'impression qu'il y a certains yeux qui biglent, comme par exemple bah, celui-là de Loli, je sais pas. C'est peut-être moi aussi hein, qui bigle finalement. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des movie stars qui biglent un petit peu. Alors, je ne sais pas si l'effet des yeux ou je sais pas. Mais dites-moi si aussi vous aussi vous avez l'impression qu'il y en a certains. Oh, j'aime bien. Je l'avais pas en plus. Merci. Mais dites-moi vous aussi si vous avez l'impression qu'il y a certaines personnes, d'après vous, des quelques petites movie stars par-ci par-là qui biglent. C'est quand même le moment où j'avais fait. Bah, du coup, c'était sur les esprits. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la visite des esprits. Ou peut-être que j'ai raté des esprits, mais. Je me rappelle, il y a un moment, il y avait les esprits, je vous avais dit, mais je suis folle ou est-ce qu'elle bigle? C'est pareil, j'avais trop l'impression que je biglais, enfin, que la movie star biglait. Mais bon. Alors, petit cadeau pour toi, s'il te plaît. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Hop, on va le porter.
C'est une très belle coiffure en plus. Et nous allons continuer la recherche des personnes aux yeux verts, comme ici. Et c'est difficile, ça c'est vert, vert, elle a que les yeux verts. Mais c'est difficile des fois de se dire, est-ce que c'est un vert kaki ou plus un gris? On sait pas trop. On va voir, on va voir. On va tester. On va tester. En plus, le cadeau il est vert. Si c'est pas un signe, c'est un signe du destin pour me dire, oui, effectivement, Kinzel, ses yeux sont verts, ouvre son cadeau. On va l'ouvrir, après on a tous les cadeaux de Maëlia à ouvrir. Parce qu'elle a, elle par contre, sans aucun doute, elle a les yeux verts. Ça c'est sûr et certain. Vous pouvez m'en témoigner, c'est bien des yeux verts. D'ailleurs, moi j'ai les yeux de quelle couleur? Les yeux noirs? Noirs, charbonneux. En tout cas, le look était très bien avant que je commence, mais là ça va. Franchement, là le look aurait pu être pire. See you Wednesday. Wednesday. Nay, nay, nay. English. I speak English very well. Yes, I know. Hein? En plus, pour cette vidéo-là, j'ai une canette de burn. C'est pour ça peut-être aussi que je parle beaucoup. Et merci à beaucoup à Chilin2 pour la salutation. Merci beaucoup. À mon que fais-tu? Et toujours d'actualité. Qui dit merci pour vos saluts, je like beaucoup, comme vous pouvez le constater. Hein. Vous passerez dans ma vidéo, voilà, comme ça je remercie directement en vidéo. Alors souvent j'essaie de vous remercier directement en vidéo, donc si vous m'envoyez une salutation et que je ne vous remercie pas en privé, c'est pour deux raisons, soit l'une soit l'autre, mais en général c'est les deux combinés. Soit je suis en train de tourner une vidéo, je vous remercie en vidéo pour que justement je puisse finir la vidéo. Et le problème c'est que souvent vous êtes plusieurs à m'envoyer et que j'ai rien pour noter vos pseudos et tout à côté. Mais du coup je vous remercie en vidéo, comme ça ça vous fait également une petite pub, etc. Et la deuxième raison c'est que des fois je suis sur le jeu, je ne filme pas forcément de vidéos, mais je lag tellement que je n'arrive même pas à ouvrir ma page de message ou ma page d'amis pour vous retrouver. C'est difficile. Voilà, donc c'est souvent pour l'une ou l'autre raison. Donc si c'est la deuxième raison que vous ne passez pas dans une même vidéo, du coup je ne vous ai pas remercié en privé, j'en suis vraiment désolée. C'est que vous avez dû me donner une salutation en plein milieu de la journée où c'est vraiment les moments où je lag le plus, donc j'en suis vraiment désolée. Voilà. Mais bon, j'espère quand même, voilà, vous n'êtes pas non plus trop nombreux à qui j'ai pas réussi à remercier, mais j'en suis vraiment désolée quand même. Et du coup merci à toi Chilin2 et on continue la vidéo. Alors c'est un rare de pack O50K s'il te plaît. Alors le problème c'est que là actuellement sur 15 je crois que je n'ai plus de O50K parce que je les ai tous sur l'autre compte. Par contre je les fais gagner en live les O50K directement. On va porter la robe. Alors, la robe là par contre je la connais pas. Est-ce que c'est, effectivement c'est vraiment un rare de pack. En tout cas on va ouvrir mais j'aime beaucoup. En tout cas j'aime beaucoup cette robe. Voilà, je fasse un look avec cette robe. Elle me plaît bien. Bon, je sais, c'est pas Halloween. Oh, ça devait être un rare de pack d'un Halloween, ça, c'est sûr. Octobre 2016, peut-être. Ou pas 2017, parce que 2017, j'étais déjà dans le game et je m'en souviens pas de l'avoir vu. Mais peut-être 2016, 2015, ou encore plus loin, on sait pas. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour voir les tout premiers packs de Movie Star Planet. D'ailleurs, il faudrait que je regarde un petit peu sur Google s'il y a moyen de trouver tous les packs depuis le début du game. Pour savoir un petit peu ce qu'il y avait. On verra bien. Et il y a encore deux cadeaux. Alors je suis désolée, ça bug un petit peu, voire même beaucoup. Et ces cadeaux, Mirror Dress. Ah, c'est... du coup, c'est celui qui a cette semaine-là. C'est les rares qui a actuellement cette semaine dans le shop. J'avais dit en plus que j'aimais beaucoup cette robe. Et j'aime bien les nuances qu'on peut faire de couleurs avec. D'ailleurs, elle va très bien avec ma coupe de cheveux actuelle. Mais c'est vrai que cette robe-là, elle est très plaisante. Et on peut pas s'amuser à faire des couleurs genre trop flash. Parce que même quand on met du rouge foncé ou du rouge flash comme ça, la robe, elle devient pas rouge flash. Elle devient un petit peu rougeâtre. Enfin, avec des tons rougeâtres. Mais elle ne devient pas rouge en elle-même. Bon, ce qui est bien et ce qui est dommage en même temps, ça dépend pour qui, on va dire, ça dépend pour qui. Waouh, on va mettre 5 minutes, on va mettre 1 minute par cadeau, là, si ça continue. Bon, je crois que je vais éviter prochainement de tourner des vidéos sur les cadeaux en plein après-midi, parce que ça devient pas possible. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous dis que ce genre de vidéos, je les tourne pendant le couvre-feu. Et d'ailleurs, ouais, c'est vrai que pendant le couvre-feu, je pourrais remercier pour les salutations en privé, mais comment vous dire qu'il y a le couvre-feu.
Ah, ça c'est un rare de... Celui-là, ouais, celui-là je l'avais eu pas mal de fois parce que celui-là il revient assez souvent, c'est quand vous avez le niveau 10, je crois, au niveau 10, ça m'est déjà arrivé d'avoir celui-ci, mais en tout cas la couleur elle est très très belle, j'adore la couleur là, je l'avais pas en cette couleur, je les avais toujours en couleur flashy un petit peu colorée, mais en noir noir ça fait super bien et ça rend bien. Bon c'est vrai que là le look ça devient nawak, hein. On va pas se mentir, le look commence à devenir nawak, hein. Mais on aime bien quand même. Bon, j'aime bien, c'est original. On peut aller à une fête, à une surprise party. Y a pas de souci. En tout cas, merci à toi, Maëlia, pour tous les cadeaux. Bon, allez, tu ouvres les cadeaux. Oh mon dieu, c'est terrible. Je pense que je vais bientôt m'arrêter parce que là c'est juste plus possible, ça doit être emmerdant pour vous de voir que ça prend une minute à ouvrir un cadeau. Bon, au moins ça fera une vidéo, vous comprendrez ma douleur. Vous comprendrez ma douleur maintenant pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, hein, parce que je sais que vous la voyez quand même souvent en live, hein, ma douleur. Hein, en live c'est encore pire, parce qu'en live justement le fait que je sois en live et qu'on est quand même assez nombreux, hein, sur mes lives, du coup je lag encore beaucoup plus. Alors là je suis pas en live mais je lag quand même, donc vous imaginez, hein, rien que vous imaginez. Alors Spring Wrap, alors c'est quoi ça? Spring Wrap c'est quoi? C'est une sorte de... je sais pas. Un wrap comme au McDo? Non je déconne, mais j'aimerais bien quand même savoir ce que c'est pour finir la vidéo quand même. Ce serait sympathique. Mais alors... Ah oui, cette fameuse jupe. Ouais, cette jupe-là, t'inquiète pas, moi aussi je l'ai en tellement d'exemplaires. C'est vrai que cette jupe-là, elle revient aussi souvent dans les premiers niveaux, les cadeaux de premier niveau. Et du coup, ben, je l'ai en tellement d'exemplaires, parce qu'en plus vous me l'envoyez pas mal. Mais en soi, elle est pas moche, cette jupe, elle est pas moche. Elle est quand même pas mal. J'ai juste envie de tourner la page juste pour savoir si je rate beaucoup de gens ou pas après. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et je suis désolée, écoutez, la prochaine fois, je ferai une vidéo où j'ouvre les cadeaux, mais je la ferai pendant le couvre-feu pour ne pas laguer, que ça soit plus rapide, que je puisse ouvrir plus de cadeaux. En plus, ça c'est dommage, j'avais un cadeau. Bah écoutez, dernier cadeau. Celle de Bellegarde, dernier cadeau, voilà. On va l'ouvrir, on va voir ce que c'est, et puis après je m'arrêterai là. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer en commentaire les idées que vous avez pour un prochain J'ouvre vos cadeaux, parce que je regarde tout le temps les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous me proposez, pour voir s'il y a des petites idées originales que je n'aurais peut-être pas pensé. C'est vrai que des fois, je pense pas à certaines choses que vous me proposez, et il y a vraiment de très bonnes idées dans les commentaires, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Alors, le petit cadeau, tu t'ouvres, s'il te plaît ? Petit cadeau. C'est bizarre parce que là il est bleu et quand il s'ouvre il est vert et rouge. Alors qu'il est bleu là. Il est bleu. Bleu. Le cadeau bleu. Est-ce qu'il y a encore des gens qui se souviennent de ce délire à bleu? Il est bleu. Ok, j'arrête mes bêtises. Alors. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est la musique de quand on ouvre les coffres dans Zelda. Dans les jeux Zelda. La petite musique, chaque fois pour dire que t'as un truc épique, alors que tu sais que une fois sur deux, c'est soit la boussole, soit la carte. Alors, taille, c'est quoi? C'est une coupe de cheveux. Non, cadeau bleu, une coupe de cheveux. Non, c'était pas... Ok. Au hasard, j'avais dit, je me suis trompée, c'est pas grave, on va le mettre autour de la taille, comme ça, ça va rajouter un petit plus à ce look qui est déjà magnifique. Et bien écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser, et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. En attendant, portez-vous bien, ciao ciao.